Aujourd'hui, je vous présente des petits pains à la poêle qui est très bon et très moelleux et farci avec du poulet et des champignons. On passe à les ingrédients. Donc, il faut 500 g de semoule extra fine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sucre, un peu de sel, 10 g de levure boulangère et 250 ml de eau tiède. On verse d'abord l'huile d'olive. Faire fondre la levure avec de l'eau et du sucre. Dans un pétrin, je vais mettre la farine de semoule extra fine. Et si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez également faire avec la main. J'ajoute l'eau tiède petit à petit et la levure boulangère fondée avec de l'eau et du sucre. Et je vais faire tourner mon pétrin. Il faut que la pâte soit collante pour avoir un bon pain. Je couvre la pâte avec un film alimentaire et je la laisse lever pendant une heure. Si nous sommes à l'hiver, mais à l'été, il faut seulement demi-heure. Après une heure, on va prendre une partie de la pâte et on va l'étaler. On va venir former des mini pains. Donc là, je l'ai bien dégazé et je la dépose directement au milieu sur la semoule. Et je vais rajouter également la semoule sur le dessous. Et à l'aide d'un rouleau, je vais la baisser sur à peu près un centimètre. Et à l'aide de ce forme circulaire, je vais découper 10 cercles. Voilà, comme vous voyez. Vous pouvez utiliser aussi n'importe quelle forme. Voilà, moi j'ai choisi ce diamètre. Après, vous pouvez faire plus gros ou plus petit. Et je dépose sur un plaque. Je vais laisser encore relever pendant des minutes avant de le faire cuire et je les couvre. Des minutes après, donc je vais faire cuire mes petits pains et je les dépose
sur une poêle qui soit bien chaude. Je les ai retournés et je laisse encore dorer. Je vais faire cette opération plusieurs fois, comme vous voyez dans la vidéo. J'ai fini de cuire mes pains et maintenant je vais les remplir. Je les farcis avec la farce au poulet et champignons. Pour les ingrédients de la farce, il faut 300 g d'escalope du poulet, un oignon bien haché, une cuillère à café du curcume, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de piment doux, un peu de sel et une moitié de cuillère à café de poivre et un peu de piment épicé et un gousse d'ail haché. Et une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de jus de citron, et 30 ml d'huile d'olive et 200 g de champignons. On va mélanger tous les ingrédients dans un bol. Comme vous voyez, la sauce soja, des jus de citron et tous les ingrédients. Et laisser reposer minimum une heure.
Donc, je mets l'huile à chauffer. Je rajoute l'oignon haché. On fait revenir les oignons. Et on va venir ajouter les champignons. On ajoute du poulet. Et on mélange le tout. Là, le poulet est bien cuit et bien doré, comme vous voyez. Maintenant, je vais commencer à remplir les mini pains ou peut-être les mini bat-bout. Je vais farcir avec la farce au poulet et champignons. J'ai déjà les ouvriers sur la moitié. Il y a du fromage, du mayonnaise et des feuilles de salade. Comme vous voyez, je les ouvre sur la moitié. Et ensuite, je mets de la mayonnaise. Vous pouvez remplacer la mayonnaise avec n'importe quelle sauce. Je mets feuilles de salade. Et je remplis avec du poulet et du champignon. Et à la fin, j'ajoute le fromage. Vous avez le choix de faire remplir les petits pains, les mini bat-bout avec n'importe quelle chose. Voilà, c'est la deuxième pour bien expliquer. La mayonnaise, la salade, après du poulet et champignons. Et à la fin, un petit morceau de fromage sautelette. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué l'opération, c'est simple. Facile. Et voilà le résultat final. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de faire like et partager avec vos amis. Et à bientôt, à la prochaine.